Alors. Y a un petit cristaux d'éclat parmi ces bijoux. Exact. Mais qu'est-ce qu'il fait, une pousse? Ah, donc là il faut que... Oh là là, faut l'avoir quand il arrive quoi. Voilà. Ah, pardon. Allô. Sacré Sindri. Est-ce qu'on va entrer dans ce bâtiment? Oui. Tu crois qu'on trouvera ce qui nous aidera à briser la glace et à atteindre la pointe du burin? Non. Je continue à chercher. En tout cas, on avance plutôt pas mal. Enfin, mis à part les contenus optionnels. Où là, on est moyen. Bonjour, enchanté. Salut, c'est Dark Souls. Ça lui fait rien du tout. Vache. Il y a tellement de poise. Bon, j'oublie ce que j'ai dit. On n'avance pas du tout bien. Pas besoin de se faire gêner alors qu'on est contre un gars qui est aussi ouf que nous. Ah! Je peux attaquer dans le dos. Quoi. Bâtard. Oh la vache! Quel bâtard! À bien faire les autres là. Non, supporte. Oh. Ah, il est malin, il bouge bien. Vache. Ça y est, il a moins de poise. Le double coup quand on fait l'esquive, c'est la vie. Oh la vache! Fin du voyage, je suis 4 vagabonds. Ok. Ah, ils étaient. Enfin, il était ouf, les autres c'était des enquiquineurs de première, mais lui c'était un malade! Champion vagabond, ce vagabond porte un immense bouclier sur son dos, ce qui rend son armure déjà très résistante, presque impénétrable. Ok, j'étais en mode ouais, on avance bien et tout, c'est pas mal. Bon, il y a que les. Les quêtes secondaires qu'on fait pas vraiment et tout. Et là, on tombe sur un truc pareil quoi. C'est pas bien, créer sa bombe peut toujours empêcher le lanceur en visant. Ouais, bon, d'accord. Il y a un coffre là-haut. La vache! Jean-Claude Bouclier quoi. Oui, j'ai été envoyé ici en mission diplomatique. J'ai tenté d'amener Asgard et Vanaheim à négocier un accord de paix. Maudite guerre, tant de vies perdues. Ce que j'ignorais, c'est que Thor avait déjà entrepris d'exterminer les géants. Vous pouvez faire les géants au milieu d'une guerre entre les dieux? Absolument rien, petit. C'est là toute la tragédie de l'histoire.
Ils n'ont jamais pris parti dans cette folie, mais la paranoïa d'Odin n'a d'égal que la soif de sang de Thor. J'ai pas moyen de le mettre genre au milieu, ça. Je peux pas monter dessus? Ah. Parce que là, je vais pas pouvoir faire ce saut. Ah, j'avais pas compris ça. Très bien. Tant mieux. J'avais pas compris, mais ça marche. Alors, grâce du givre, attaque chronique puissante booste temporairement le Léviathan en ajoutant de petites explosions de dégâts de givre à chaque coup. Ajoute un léger bonus aux attaques chroniques et normales. Ah oui, d'accord, ça, c'est un espèce de buff. Bah écoute, on teste, hein. Pas de soucis. Toujours prêt à tester. Alors, ça c'est bon. Atreus, avec moi. Avec moi, Atreus. Ah oui, là-bas, c'était pour un coffre aussi, le mettre au fond. Dans la tête, je me suis dit que c'était le chemin principal, mais pas du tout, on a vu qu'il y avait un coffre là-haut. Alors, allons le choper dans la joie et la bonne humeur. Si déjà, on commence à galérer. Enfin, à chaque fois, je dis commencer à galérer, alors qu'on galère depuis le début de ce jeu. C'est pas un jeu qui est simple. Enfin, si. C'est pas un jeu qui est compliqué, mais c'est pas un jeu qui est facile. Il y a du challenge. En normal, en tout cas, à mon niveau, je trouve qu'il y a du challenge. C'est un jeu où il faut faire attention. Vampire, c'est un peu la même d'ailleurs. C'est un jeu où il faut vraiment être actif au sein des combats. On peut pas juste être en mode ouais, bon voilà, j'appuie sur le bouton de temps en temps. Et c'est tant mieux. J'aime les deux types d'approche. Mais en l'occurrence, c'est extrêmement intéressant de combattre et chaque combat est une aventure. Bon, il y a certaines aventures, je vous avoue, quand on est allé explorer, qu'on s'est retrouvé contre un troll niveau 6 qui nous a tout shot. Je les ai pas. L'aventure, je l'ai pas tenté des masses. Hein. Et maintenant Ok. Le Jean-Louis, là, il se régénère. Le Jean-Louis se régénère. Faudrait qu'on puisse. Atreus commence à prendre l'habitude d'essayer de pousser. C'est embêtant. Est-ce que j'ai pas moyen? Qu'est-ce que je peux? Apparemment, je peux agir. Ah! Pas qu'on veut. Oh, on y est presque. Voilà! Délicatesse! Eh bien, ce n'est pas un plan très discret. Maintenant, il faut libérer l'autre sangle. Vraiment? Mais d'abord, prenons ça. De l'acier massif, on aime l'acier massif. Pourquoi on va en haut alors que ce qu'on cherche est tout en bas? Réfléchis. Eh bien, la pointe du burin est sous d'épaisses couches de glace qu'on ne peut pas faire fondre. Exact. Et il n'y avait pas de cristal d'éclat à proximité sur lequel j'aurais pu tirer, donc c'était pas une option. Exact. Le seul moyen est donc de transpercer la glace, mais il faudrait pour ça un objet incroyablement lourd et... Oh, ça y est, j'ai compris. Bien.
Bien. Le pragmatisme de Kratos, excellent. Comment va-t-on tourner le marteau pour qu'il atterrisse près de la pointe du Buran ? Impossible. On va le libérer, descendre avec lui et aviser sur le moment de ce qu'on peut faire. Donc ton plan comporte une bonne part de chance. N'hésite pas à en proposer un meilleur. Hein, au lieu de te plaindre, là. Au lieu de critiquer les idées des gens qui en ont. Libérer la sangle. Accroche-toi. Mais accroche-toi bien, surtout. Que connaissant le Gugus, ça va donner une bonne grosse scène de chute. Ce plan ne me dit rien qui va. Pauvre Mimia. Saute. Ça n'a pas marché. Il n'est tombé qu'un petit peu. C'est vrai. Je m'attendais plus à la fin du monde. Faut qu'on pousse. Oh. Nouvelle armure, niveau 4. Excellent. On a presque plus en récupération, mais qu'est-ce qu'on a gagné dans en défense? Oh non, le sol s'est effondré. Il y a une vasque de sable, mais comment on peut l'atteindre? On ne peut pas. Alors... Atreus, par ici. Bien joué, mon gars. Ça qu'on veut. Qu'est-ce qui est écrit? Quand le temps lui fait faux bond, le voyageur avance à reculons. À reculons? Oula! Et à l'envers? Ces symboles, ce sont les saisons. Oui, mais tout est dans le désordre. Ça devrait pas être hiver, printemps, été, automne. Pourquoi commencer par l'hiver? Ça vient d'une chanson que mère me chantait. Oh, je la connais, celle-là. Hiver, printemps... Et... Silence, tête. Il n'aime pas la musique non plus. Hiver. Printemps. Hiver, printemps, été. Automne. Il a dit faire à l'envers. Écrit. J'ai pris les paroles qu'il a données. Et il avait dit à l'envers dans Atreus. Pour une fois qu'on fait Atreus, un puzzle rapidement. Ce mot. Fola, ça veut dire résiste. Essaie. Résiste. Fola. Bien joué, petit. Écris-le encore. Fola. Poussez-le. L'énergie fait monter la plateforme. Continue. Comment est-ce possible? À mon avis, magie temporelle. Une chose dangereuse avec laquelle les dieux Van aimaient jouer. La capacité de figer le temps. Une des spécialités de Njord, en fait. Aimaient? Ils le font plus? Eh bien, il se trouve que figer le temps arrête la course de la lune et du soleil dans le ciel, mais pas celle des loups qui les chassent dans l'espoir d'y planter leur croc. Alors, les dieux ont estimé qu'il était préférable de laisser le temps filer. Oh. Mais du coup, il faut qu'Atreus écrive le message non-stop. Tant qu'il écrit pas, on pourra pas monter. Bien joué. Ah,
Ah oui, on a une jauge en haut. C'est le temps qu'on a pour battre les ennemis. Atreus, ce serait bien que tu reprends l'écriture avant que tu réécrives. Ok, donc on a tant donné pour battre tous les ennemis. Des ennemis. Oh, ça descend vite en plus. Ok, ok, on enchaîne. C'est bon. Retourne-y. Allez. Va écrire. Sans un bon garçon. S'approche. Bien entendu, il y a une troisième vague. C'est pas vrai. Côté droit. Au niveau 2, c'est du menu frontin. Oh merde. Ok, c'est bon. Fouh. Allez. Vas-y, crois. Oh non, c'est pas vrai. Allez, bâtard. Elle essaie souvent d'invoquer des cauchemars, nous devons tout faire pour l'interrompre. Ah oui, bon. Elle essaie de faire des trucs, interrompons-la, sinon elle va les faire. Merci. Merci beaucoup. Bon travail. Poussez le marteau. Merci. Atreus. C'était seulement pour plaisir. Vieil ours est gris. Bon, on y est. Comment on va faire pour la dégager? Poussez. Mais... Et confiance. Ouais. Cale-toi et pousse de toutes tes forces. D'accord. Parce que aucun souci, la normalité selon Atreus. À aucun moment il se dit qu'on est un dieu. Ou un demi-dieu en l'occurrence. Enfin non, on est un demi-dieu qui est devenu un dieu ensuite. Comment...
surtout qu'on a pris la place d'Arès. Ne panique pas. Pourquoi je paniquerais? Je te tiens. Oh la vache! Tu es malade, tu le sais ça? Tu vas bien. Tant mieux, on doit avancer. Tout va bien. Laisse le faire. Cet homme a un certain. Ah, c'est ça la pointe. La destruction. Ne l'oublie pas, Tate. J'y pense à chaque seconde. Ne l'oublie pas. Ne nous trahis pas, même si tous les gens dans God of War trahissent tous les gens tout le temps. Pardon. Yay! Moi, je voudrais aller en bas. Ou alors... Je peux descendre là, peut-être? Mani et Bodhi, c'est les fils de Thor, je crois. Donc ça doit être ceux qu'on a vus avec Mini. De l'acier massif. On veut l'acier massif. Pour améliorer des trucs. C'est eux là? Non, c'est les statues ça. Ce sont des drogards qui ne bougent pas. Voilà. Alors. De la vie, on n'est pas full life. Ok.